Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. C'est bien sûr Pierre Ménès qui va m'accompagner. C'est le foot français qui est à l'honneur avec ce match de Ligue 2 BKT aujourd'hui. Le Clermont Foot contre Amiens. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Cédric Outonji, le numéro 21. Soit la meilleure défense face à la moins bonne attaque. Ouais. Bon, en même temps, ce sont que des statistiques. Le numéro 25, Johan Gastia. Le numéro 11, Jim Alevina. Et enfin, le numéro 6, Jason Berthomier. Voici les joueurs alignés par Clermont aujourd'hui. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif Indra pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. La composition de l'Amiens Sporting Club, la voici. Allez, ce sera dans un dispositif 4-3-3 traditionnel. Avec deux ailiers façon Barça. Le stade est plein, ça fait plaisir, c'est parti. À l'instant, on verra comment les équipes abordent cette première période. Berthomier. Ouais, il lui donne carrément. Alexis Blin. Allez, par-dessus, pas mal. Et le ballon bloqué par le gardien. Voilà, Voguet. Gomis. Cherche une solution là. Et ce centre qui est capté par le gardien. Berthomier. Il faut trouver une option disponible. Berthomier. Oh là là, il est allé le chercher ce ballon. Oh, quelle détente, quel plongeon. Et pourtant, il était loin du ballon, mais finalement, il a réussi à écarter le danger. Bravo. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Non, c'est manqué, c'est peut-être pas loin du cadre. Ouais, le défenseur ne s'est pas fait surprendre, il était présent au marquage. Gomis. Alexis Blin. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, c'est une perte de balle. Florian Rogier. Berthomier. Gastien. Attention, la petite passe lobée. C'est parti vers le deuxième poteau. C'est
loupé. Cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup, c'est sans danger pour le gardien. Non, elle est interceptée, cette passe. Joan Gastien. Ça peut devenir dangereux. Berthomier. On se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe. Et le tacle décisif dans sa propre surface. Il donne par-dessus. Ouais, il a levé son ballon. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Et c'est un corner. L'occasion pour eux de prendre l'avantage peut-être. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Il repousse le tir. Berthomier. Il s'avance vers la surface. Le centre au premier poteau. Ouais, bien défendu. Attention, il faut le dégager vite ce ballon. Qu'il va faire. Allez, faut centrer vite. Allez, pas de prise de risque, ballon dégagé. Avec un tir, ballon bien négocié par le gardien. Les supporters qui verraient bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Bien repoussé par la défense. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Le ballon rendu à l'adversaire. Il lui redonne. Ouais, il essaye en louche un petit peu. Et pour qui ce centre? Et la bonne anticipation sur ce centre. Décidément, c'est maladroit. Hein. Joan Gastien. Ça, c'est donné à l'adversaire. Ah, ça joue vraiment très bas. Hein. Joan Gastien. Attention, la passe en profondeur. Oh là 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 là, quelle occasion! Oh, on a bien cru au premier but. Ouais, on a cru qu'il allait enfin ouvrir le score, mais finalement, non.
Les visiteurs qui font pour l'instant jeu égal à la pause avec l'équipe locale. C'est pas impossible qu'on assiste à un match nul aujourd'hui. Si l'équipe prend aussi peu de buts qu'elle en marque, c'est jouable. Début de la seconde période à l'instant même. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Et le ballon qui va heurter la barre avant de finir au fond du filet. On va revoir cette action avec ce ballon lobé qui a mis toute la défense en danger. Ensuite, grosse démonstration de force malgré la pression de la défense. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Berthomier. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ouais, un bon ballon d'attaque. Changement de possession. Gomis. Alexis Blin. Oh, ça peut être dangereux. Ouais, c'est joué par-dessus. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Milan Iglesias. Berthomier. Milan Iglesias. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ouais, ça c'est très bien défendu. Gomis. Alexis Blin. Ah, et c'est fluide. Ça circule bien. Ouh là, ça n'ira pas plus loin. Jean Gastien. Berthomier. On s'approche du but adverse. Hors-jeu, hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Il faut qu'il fasse un peu plus attention là. C'est comme s'il avait commis un faux départ. Allez, le changement donc. Il a fait un bon match, appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. Allez, il est passé par-dessus. Ouais, le centre peut-être.
Un geste plein de calme, de maîtrise. Allez, c'est donné par-dessus. Le centre vers ses coéquipiers. Vraiment, c'est mal exploité. Une tasse à l'effigie d'un joueur ou des articles d'une collection précédente. La boutique est plus grande que vous ne le pensez. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. La passe qui était trop appuyée. Berthomier. Joan Gastien. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ah, c'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Non, elle est interceptée cette passe. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, c'est bien, il faut y aller sur ces ballons. Non, non, ça va s'arrêter là, c'est un hors-jeu. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Damien Iglesias. Allez, encore une passe. Ah, il est passé, il file vers le but. Et ils reviennent dans le match avec ce but. Score de parité désormais. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. C'est sur ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Et ils égalisent donc un but partout. But pour Clermont, le numéro 10, Jonathan Iglesias. Joan Gastien. Ah, tout le monde tremble hein, sur cette attaque parce que ça va se jouer là. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Allez, l'occasion peut-être de mener. Et le but ! Le stade qui s'enflamme. Oh, le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes. On revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Un ballon pour l'adversaire. Ah, cette fin de match qui s'emballe. Reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Joan Gastien. Il a piqué son ballon. Non, on se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe. Il va pouvoir centrer. Gomis. Berthomier. Oh oui, le but. Un autre but quasiment coup sur coup.
Regardez, tout démarre en fait grâce à ce centre. Ensuite, c'est joué en finesse avec juste ce qu'il fallait de précision pour éliminer le gardien. C'est un vrai geste d'attaquant. Et je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. But pour le Clermont-Foot ! Le numéro 6, Jason Berthomier. Alexis Blin. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Arnaud Lussamba. Alexis Blin. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Gomis. Alexis Blin. Un tacle plein de dureté et d'intensité. Il récupère le ballon. Gomis. Pamela Iglesias. Il se trouve les yeux fermés aujourd'hui, Pierre. Ils font bien tourner le ballon, c'est collectif. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public. Courte victoire, mais victoire quand même. Hein. Les 3 points qui font du bien du coup.